Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour de nouvelles vitamines SDV pour entamer cette journée. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du principe de la coopération. La coopération de Dieu avec les hommes et en particulier la coopération de Dieu avec ses enfants. Nous retrouvons ce principe dès l'Ancien Testament, dans Deutéronome 9,3 par exemple, il est dit: c'est lui, en parlant de Dieu, c'est lui qui détruira tes ennemis, mais tu les chasseras et tu les feras périr promptement. Autrement dit, Dieu participe, mais c'est sur le terrain Israël qui devait se présenter avec les armes devant ses ennemis. Et c'est la même chose lorsque nous avons des contrariétés ici-bas, des luttes et des combats. Dieu est avec nous, à nos côtés, mais c'est nous qui nous retrouvons en face de l'adversité. C'est à nous de nous présenter avec cette assurance que Dieu coopère à nos côtés. Nous retrouvons ce principe dans le fait de l'écriture de la Bible. La Bible est totalement et entièrement inspirée de Dieu, mais c'est quand même la main des hommes qui ont gravé sur la pierre ou qui ont écrit sur des parchemins ce qu'ils avaient reçu de cette inspiration divine. C'est la même chose pour le salut. Dieu seul peut sauver. Mais si nous ne participons pas nous-mêmes à notre salut, dans le sens de recevoir par la foi ce que Dieu nous offre, ce salut de Dieu, non pas par les œuvres évidemment, mais en recevant par la foi le cadeau de Dieu, si nous n'avons pas cette démarche-là, nous ne serons pas sauvés. Donc, il y a encore une fois ce principe de la coopération qui est établi. Dans le fait de la sanctification, Dieu seul peut nous rendre saints. Mais si nous n'ajoutons pas à la foi, comme le dit Pierre dans sa lettre, la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience et la piété, et à la piété l'amitié fraternelle et l'amour, eh bien, nous ne grandirons pas dans les choses de Dieu, nous ne connaîtrons pas cette sanctification effective. Dieu a placé pour nous, dans le cadre du combat spirituel, toute une panoplie d'armes. Mais si nous laissons cette panoplie-là dans le placard, dans la remise, si nous ne nous saisissons pas par la foi de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, du casque du salut, etc., eh bien, nous ne serons pas opérationnels dans le combat spirituel que nous avons à mener ici-bas. C'est la même chose sur le principe du service pour Dieu. Il est dit que Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et il y a encore ce principe de coopération entre les hommes et Dieu. Autrement dit, aujourd'hui, avant de commencer cette journée, dis-toi bien que Dieu veut coopérer avec toi. Dis-toi bien que Dieu veut manifester sa grâce, certes, mais qu'il compte sur toi également. Et les chrétiens équilibrés, au fond, ce sont ceux qui savent que tout ne revient pas à la part de Dieu, qu'ils ont leur part à faire ici-bas. Et j'aimerais aujourd'hui, et particulièrement ce matin, de laisser cette grande vérité: nous devrions prier comme si tout dépendait de Dieu, mais travailler comme si tout dépendait de nous. Je répète, nous devons prier comme si tout dépendait de Dieu, mais travailler comme si tout dépendait de nous. Autrement dit, c'est dans la coopération étroite avec l'Esprit du Seigneur, avec la personne du Seigneur, que nous pouvons seulement avancer ici-bas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde une bonne journée dans la coopération avec le ciel.